Alors attention les filles. D'accord, donc là je vais monter sur la balance. Il faut enlever 300 grammes du téléphone portable. Ok, c'est un iPhone 8 Plus avec la coque, ça. Donc il y a 300 grammes. D'accord. Vous vous rappelez, il y a une semaine, je faisais 118, 350, 450. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord, il y a une semaine. Donc une semaine après, on monte sur la balance. 1, 2, 3. T'enlèves 300 grammes. Pratiquement 3 kilos. Pratiquement 3 kilos. Oh putain, comment ça fait du bien. 3 kilos. Pratiquement 3 kilos. Bon, une semaine, frère. Tu vois. Ouais, tu fais quelques gars piscine, ça compte pas. Si tu savais ce que je faisais, mon pote. C'est un truc de mal. Alors certains vont me dire, certains vont me poser la question, comment t'as fait? Comment t'as fait, nom de Dieu, ta grosse baleine? Comment t'as fait? Alors ce qu'il faut savoir, chaque matin, j'écoute pas les diététiques ou je sais pas quoi là. Je les écoute pas, oui, pour manger le matin. Arrête, on t'apprend du poids, frère, tu vois. Ce que je fais, c'est que je pars au sport à jeun. Comme ça, dès que je fais du cardio, Ça brûle les graisses. Ce que je fais, vous vous rappelez, je vous avais dit que je faisais de la corde à sauter. J'en fais dans le hammam. La corde à sauter dans le hammam. Tu sues 4 fois plus. Le gainage, je le fais pour ma salle. Je le fais pour moi-même. 80-90 degrés, tu fais fondre tout ça. Et après, clac, tu perds en kilo. Ça va très très bien pour moi. Ensuite, il y a l'alimentation. Je pense que ça, vous avez dû faire gaffe. Vous savez, pendant mes lives, je grignote plus, je bois plus de coca, vous voyez ce que je dis ou pas? Que go! Et ça fait tellement du bien, et tu ressens tellement la différence, et puis voilà. En tout cas, on va continuer comme ça petit à petit. Donc là, 115, j'ai perdu 3 kilos en une semaine. J'essaie de reperdre 3 kilos encore en une semaine. C'est-à-dire, ça fera 112, et ensuite, il me restera que 2 kilos à perdre pour atteindre mon objectif, parce que vous vous rappelez, on a fait palier par palier. Ensuite, j'atteindrai les 110 kilos. Une fois que j'ai fait les 110 kilos, 100 kilos. Et là, ça me tient. Déjà, question visage. Enfin, je sais pas si ça se voit ou pas. Moi, je peux pas le remarquer parce que moi, je me vois tous les jours. Mais question visage, je sais pas. J'ai l'impression que c'est. Enfin, moi, je ressens pas de différence personnellement parce que je me vois tous les jours. Mais c'est ultra cool. Voilà, c'est ultra cool. Voilà. Oh, je suis trop content, ça m'a arrêté de rien, je suis trop content. Hop. On va mettre le shampoing, on est un, voilà. Après, une fois qu'on aura perdu le poids qu'il aura fallu, là, c'est à ce moment-là qu'on va commencer. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à former. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à former, c'est-à-dire de dessiner le corps bien comme il faut. Et puis voilà. Bon, en tout cas, 3 kilos en une semaine, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très très bien. Je suis très content. Et puis maintenant, faut garder la motivation. Si moi je peux le faire, beaucoup de gens peuvent le faire. Moi j'y vais tous les jours. Pourtant, j'ai le live, j'ai les vidéos à faire, mais je trouve toujours le temps. Chaque matin, je taffe. Je fais mes trucs, je fais ma petite nage. Il y a beaucoup de gens, t'as vu sur Twitter, je pose des petites vidéos où je nage. Il y a beaucoup de gens qui se moquent par rapport à ça. Mais ça marche, oh, ça marche. La natation, c'est très bon pour le corps, oh, de nager. Ça détend le dos, ça détend le ça détend tout, ça détend la tête, tout. C'est apaisé. Oh, c'est vrai. Tu taffes. C'est rien. T'as mes cheveux, là j'ai des beaux cheveux, là, regarde encore un pétard, tu vois, hein, 30 piges, frère, tu vois, 30 piges, encore un pétard. Ça fait du bien. Là, le dernier shampoing.
Bon les filles, on va profiter de la journée un peu. Oh, allez, tout d'entour. Ça fait du bien. On se retrouve très prochainement les filles. Viens voir le monde, ça va se faire. Tu vois, il se met.